que tu aimes jouer à la dure ou que tu préfères séjourner dans des hôtels de luxe, ces astuces de voyage te seront utiles lors de tes prochaines vacances. Hé, Amy, je suis là! J'arrive, ma belle! Waouh! Aïe! Ça doit faire mal! Il pourrait mettre un panneau d'avertissement ou un truc dans le genre. Ah, ça pique! Aouh! Aouh! Ouh! Ouah, c'est pas très joli. Et ça a l'air de faire super mal. Ah! Amy? Essaye de mettre mon déo antitranspirant par-dessus. Ça peut valoir la peine d'essayer. Il suffit de le faire rouler par-dessus. Hé! Ça ne pique plus! Hé, coucou! Non! Ne passe pas par là! Oh! Elle est tombée! Elle s'est bien ramassée. Allons la sauver, d'accord? On dirait que les vacances sont enfin arrivées. Waouh! Cet hôtel est encore plus classe que sur les photos. Asseyons-nous ici pendant qu'il prépare notre chambre. Il fait au moins 100 degrés. Je vais sortir ma bouteille d'eau. Hein? Pourquoi c'est tout mouillé? Oh non! Mon dentifrice a explosé! Regarde-moi ça! Ça doit être à cause de la pression. La prochaine fois, prépare-toi des pépites de dentifrice. Sur du papier cuisson, presse quelques noisettes de dentifrice. Compte au moins 2 brossages par jour de vacances. Ensuite, saupoudre-les de farine. Maintenant, prends un petit pot comme celui-ci et mets tes morceaux de dentifrice sec à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus de risque d'explosion. Et quand tu voudras te brosser les dents, mets-toi juste une noisette dans la bouche. Ne t'inquiète pas, elle va se ramollir toute seule. Tu vois, essaye! Lorsque tu es plongé dans une conversation, tu ne vois pas toujours ce qui arrive devant toi. C'était moins une. Allez, saute! Avec mes petites jambes. Ok, je peux le faire. Il faut juste que je m'étire un peu. Allez, c'est bon. Allons-y! Non! Oh oh, j'y étais presque. Super, maintenant j'ai les pieds trempés. Pourquoi ai-je cru que mes mini-jambes pourraient sauter aussi loin? Ah! Avant de jurer de ne plus jamais mettre de baskets, voici un truc pour éviter de les mouiller. Il suffit de frotter une bougie sur tes chaussures en toile. Tu vois la cire qui se détache? Une fois que toute la chaussure est recouverte, passe-les sous un sèche-cheveux. Ça fera fondre la cire dans le tissu. Elles sont désormais waterproof! Maintenant, les flaques d'eau ne te feront plus peur. Tu vois? Sèche comme jamais! Tada! Ah, il n'y a rien de mieux qu'une journée en pleine nature. Et je dois faire une petite pause, ok? Oh, mon ventre! Ah! Je ne peux plus sortir! Je savais que je n'aurais pas dû manger ce truc ce midi. Il n'y a pas de WC ici! Pas encore, attends.
Lève-toi, j'ai besoin de ça. J'ai un truc à régler très rapidement. Parfois, quand on est dans la nature, il faut savoir se montrer créatif. Même si ça implique de fabriquer ses propres toilettes. Une fois que tu as une chaise percée, installe un siège de toilette par-dessus, fixe-le bien avec une attache en plastique. Une fois que c'est fait, retourne-le. Installe alors un grand sac en plastique pour récupérer le... tu sais quoi. Assure-toi de bien l'attacher. Et en un clin d'œil, tu auras un WC fait maison. Il sera parfait quand tu auras besoin de te soulager en pleine nature. Ok, Sophia, à ton tour. Waouh! Ça fait 2 semaines que je les attends. Je vais immédiatement aller me balader. Porter des chaussures neuves, c'est absolument génial, pas vrai? Du parc au centre commercial, tu veux les traîner partout. Mais ça a un prix. Salut, Amy. Oh là là, ces chaussures neuves me tuent les pieds. Regarde. Oh, c'est très moche. Je sais. Dis bonjour à ton nouveau meilleur ami. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tout petit morceau. Ok, je vais essayer. Voilà qui devrait faire l'affaire. Voyons voir. Yes! Oh, on ne pourra plus les arrêter maintenant. Comme si c'était déjà pas assez difficile de porter ses courses. Il faut qu'il se mette à pleuvoir. J'arrive pas. Non! J'abandonne. Attends, je vais essayer un truc. Tu as déjà vu un parapluie main libre? Tu peux t'en faire un en le boutonnant dans ton manteau. Après avoir glissé le manche à l'intérieur, prends ensuite les sangles de ton sac à dos et attache-les contre ta poitrine. Maintenant, ramasse tes sacs de course et cours! Est-ce que tu te sens prêt pour tes prochaines vacances maintenant? Partage ces astuces avec tes compagnons de voyage. Et comme toujours, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube One Two Three Go pour voir d'autres vidéos sympas comme celle-ci.